Est-ce qu'on s'entend? Oh. Le micro, il est là, non? On est bon? Mais bonsoir! Ouais! Allez, on s'installe tranquillou. Ah. Micro, c'est bon. Parfait. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Allez Café, l'émission que certains regardent le matin, ou bien le soir, très tard, en espérant vous avez passé un bon début de semaine, que vous allez bien terminer ça, bien comme il faut. Comment ça va, Bastien? Oui, ça va très bien, le son est nickel. Merci Team Throne, merci aux anciens qui sont là. Allez Café, grand classique, le lundi matin, enfin le lundi soir, pardon. C'est un habituel, sauf que là, il fallait que je me remette de cette merde de All-Star Weekend qu'on vient de se prendre dans la gueule. Avez-vous regardé le All-Star Weekend? J'ai pris part à ces festivités, on a parlé suffisamment avec Alex. J'espère que vous avez pris part à ces festivités. Désolé pour celles et ceux qui ont vécu cette atrocité, merci Ethan Thomas Fadeaway. Un pseudo légendaire. Celles et ceux qui ont survécu à cette atrocité qu'on a pu voir du côté d'Indianapolis, bon, c'est comme ça, ça arrive. Peut-être qu'il y aura des révolutions par la suite pour essayer de régler tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, l'actu, elle continue. Et ce soir, les matchs reprendent, du verbe reprendrait. Et oui, vous le voyez dans le bandeau juste ici, on a tout ce qu'il faut. Merci Quentin 4 de envoyer des petits subs, tous les copains, les choupinous qui envoient des subs dans tous les sens. 12 matchs ce soir, incroyable. Cavs Magic, Pacers Pistons, Sixers Knicks, un petit Raptors Nets pour les gens qui aiment mourir ou qui aiment aller voir leur ophtalmo, Dallas Phoenix, hashtag immanquable, Chicago Boston, New Orleans Houston, OKC Clippers, hashtag immanquable, Denver Washington, Utah contre Charlotte et Golden State face aux Lakers sans LeBron et un petit Sacramento San Antonio. Voilà, il y a du intouchable dans tous les sens. Ça fait plaisir. On va avoir enfin la reprise de cette chère NBA sur les parquets. Vous avez peut-être vu, on a fait des apéros avec Alex pour notamment indiquer quelles sont les choses qu'on a très hâte de suivre dans la conférence Est et la conférence Ouest. Je vous pose d'ailleurs la question à vous, parce que je suis en direct, donc je peux voir évidemment les copains qui sont dans le chat à qui on va dire bonsoir, mais si vous avez une chose en particulier que vous avez très hâte de voir dans ce dernier virage, c'est quoi? C'est quoi évidemment, puisque nous sommes là pour parler de ça. Salut Bastien, très bonne vidéo sur l'East et West, toujours la qualité, jamais déçu de vos vidéos. Merci cœur cœur, c'est toujours un plaisir. Les Go Mavs évidemment qui sont là, les Celtics, Wemby Rookie of the Year, Kyle Lowry qui va retourner peut-être sur les parquets de basket, la stabilité de Boston tout à fait, Grady Dick dont on va suivre le développement exactement, la remontada des Bulls, ça va être compliqué. Par contre la remontada des Warriors, ça on va peut-être la suivre. Tellement hâte des play-in, du play-in tournament, tout à fait, ça va être incroyable. Les Suns, les Pacers en play-off. On parle de traces de pneus dans les slips de Boston. Formidable, hein, je vois qu'on est sur un humour de très très haute qualité. Hein, dès qu'on commence à parler, il faut que ça parle de traces de pneus. Ça va être formidable. Shai Alexander peut-être en MVP. Voilà, toutes ces petites choses. Stabilité des Wolves, tout plein d'éléments qu'on a très hâte de suivre sur cette deuxième partie de saison. Ce soir... donc on a eu quelques jours là de repos, certains joueurs vont revenir très bronzés. Petit conseil, surveillez le bronzage de certains qui n'étaient pas du coup à Indianapolis. Il y a des joueurs là, vous allez voir arriver là et vous allez faire oula, oula. Certains sont allés à Cuba ou à Trinidad et Tobago ou peut-être à Cabo comme dirait ce cher Doc Rivers. Les Bucks qu'on aura aussi très hâte de suivre. Il n'y a pas eu énormément d'activité et d'actualité, surtout ces derniers jours en NBA. Deux, trois petites choses, hein, des déclarations, Yanis qui n'est pas content, Isaiah Stewart qui vient de prendre trois matchs là de suspension. Bon, voilà. Je ne vais pas non plus vous dire à quel point c'était extraordinaire au niveau actuel ces derniers jours. Du coup, Internet fonctionne, ce setup marche. Et si vous êtes un ancien de cette chaîne ou une ancienne, peut-être que vous savez qu'il y a quoi? Il y a genre 6 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, je voulais faire une émission spéciale Talent Français, Draft 2024. Et j'avais dû envoyer, merci Martin qui est là, j'avais dû bien évidemment envoyer des photos absolument atroces de la box internet qui ne voulait pas fonctionner. Il a fallu une intervention, je vais vous passer les détails. Mais aujourd'hui je peux la faire! Et donc nous sommes officiellement à, en février, mars, avril, mai, juin, nous sommes à 4 mois de la draft 2024.
et elle va être très française. Oui, messieurs, dames, on va pouvoir parler de France et on va parler français. Over 7000 langages et ça va parler la France sur la draft 2023, c'était déjà le cas. Sur la draft 2024, ce sera aussi la tendance. Et donc, l'idée, c'est de débroussailler un peu le terrain pour celles et ceux qui veulent parler des prospects de demain. Et puis, parce que c'était une demande qui m'avait été faite un peu sur les réseaux, dis donc, Bastien, est-ce qu'on pourrait pas faire un focus sur Alexandre Sarr, Zachary Zaché, Tidjane Salin et d'autres garçons? Car oui, il y a d'autres garçons. Donc du coup, j'ai fait mon travail, comme tout garçon compétent chez Trash Talk. Hein. D'ailleurs, bisous aux copains. Vous allez voir, on va parler d'eux parce qu'il y a eu du très gros travail qui a été fait. Zachary Zaché, voilà, je vois qu'il y en a certains qui ont envie qu'on en parle. Et on va pouvoir justement faire un focus dessus. Donc l'idée du Aller Café de ce soir, c'est j'ai préparé plein de notes à partager avec vous. Il y a des images, on va interagir ensemble pour voir quelles peuvent être les meilleures perspectives pour chaque joueur. On va voir aussi ce que peut donner les garçons qui ne seront pas à la draft mais qui sont quand même hyper talentueux. Est-ce que certains en vont venir et combien de Français on va avoir à cette draft? Parce que je pense que c'est le postulat premier sur lequel on peut partir avant de faire les coucous à tout le monde, c'est que nous sommes quand même, mesdames et messieurs, au devant d'une phrase extraordinaire. C'est qu'après Victor Wembanyama drafté en numéro 1 en 2023, peut-être que la France va faire le back-to-back. Deux joueurs français sélectionnés en premier choix en NBA. Pardon ? Pardon, on est sur ça là, c'est ça dont on est en train de parler? Rien d'assuré pour le moment, mais c'est quand même assez extraordinaire. Et surtout, merci Cloud Atlas, on va en parler plein de fois. Au-delà du premier choix de la draft, potentiellement 3 joueurs dans le top 10, top 15. 3 choix. On vient d'avoir Bilal Koulibaly et Victor Wembanyama. 1, et donc Bilal c'était 7 je crois. En tout cas 2 joueurs dans le top 10. Là on va peut-être en avoir 3 dans le top 10 ou dans le top 15. Non, la France vraiment c'est trop fort. Centre de formation extraordinaire. Plein de pépites dont on va devoir parler. Avant de faire ça, on va être poli et reprendre les bases, car qui dit reprise de la NBA dit reprendre les bonnes habitudes. Mesdames et messieurs, où est-ce que vous êtes? Comment ça se passe? On parlera même tout à fait de Pacôme Dadier, on va parler de plein de joueurs, d'Adama Ball, de Melvin Aginsa, de tout plein de garçons là, que je vais garder évidemment sous les yeux pour pouvoir vous faire plaisir. Il y a des gens du Mans qui sont là, de Bienne, formidable. On a des gens qui viennent d'où? De Toulouse, salut aux copains de Chambéry, de Flaine, de Lille, d'Avignon, de Perth, en Australie. On va peut-être parler de Perth, de Fort-de-France. Bienvenue aux copains de Vendôme de Montpellier, de Namek. Très connu Namek, bien évidemment, de Cachan, de Guadalajara, de Melbourne en Australie. Bon, bah là, l'Australie, ça risque d'être mentionné plus d'une fois sur ce petit épisode. San Pedro, Côte d'Ivoire, magnifique. Châteaubriand, Madagascar, Marseille bébé, Belleville-sur-Vie. Bonsoir aux copains d'Apayargue, de Belgique. Et toutes celles et ceux qui me rejoignent à l'instant d'Osaka. On risque de se croiser prochainement. Hop, 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 hop. Peut-être qu'il y aura du déplacement au Japon, on ne sait pas, on vous tiendra au courant dans les prochains mois. Voilà, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des choses qui sont prévues ou pas. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je vous laisse vous installer, craquer la baguette, le fromage, sortez le pinard, mais avec modération, on va parler évidemment de la draft 2024, pour celles et ceux qui s'installent. Et donc, merci aux copains qui sont en direct, et si vous regardez le replay, je vous souhaite un bon début d'émission. Le postulat est le suivant, vous l'avez peut-être vu, tous les mois, on commence à avoir une petite mock draft qui est envoyée par la plupart des gros médias américains. Jonathan Givony et Jeremy Woo se sont occupés, bien évidemment, d'ESPN. ESPN, évidemment, si vous ne connaissez pas, eh bien, n'hésitez pas à aller checker, hein, une toute petite institution américaine. Mock draft, très simple pour ceux qui connaissent le terme, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, mock draft, on essaie de projeter. On essaie de projeter et savoir qui va être, quelle équipe va être numéro 1 à la draft et surtout, quel joueur va être drafté en combienième position. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, arrêté, au 22-23 février, qui est le numéro 1 de la draft, basé sur le talent notamment, qui est le numéro 2. Ce sont des projections qui sont faites. Alors, les projections, elles sont faites à un moment donné et elles peuvent toujours évoluer. Pourquoi je mets ce préambule? Parce que vous l'avez suivi probablement avec Billy dans l'histoire de la NBA, on a eu plein de situations comme ça. Harrison Barnes, il est sorti du lycée, c'était le numéro 1 de la draft incontesté qui allait venir, il est passé par la case NCAA, il a gentiment reculé. On était comme des oufs sur Thon Maker, sur Jonathan Kuminga, ça a bien reculé aussi. C'était comme ça. Il y avait plein de situations sur lesquelles des joueurs pouvaient chuter. Là, au moment où on parle, nous sommes en février. Pourquoi c'est important? Parce que dans quelques jours, si vous suivez bien le basket, vous allez pouvoir me sortir une partie de l'année universitaire en deux termes.
Est-ce que vous êtes fort dans le chat? Est-ce que vous êtes capable de me le sortir? Il y a un truc très important. Oui, monsieur! Alors, on aurait pu aussi dire Final Four, ça arrivera après. Mais oui, messieurs, dames, les copains qui ont mis, bien évidemment, du March Madness, nous allons arriver dans la folie du mois de mars. Tournoi final, évidemment en NCAA, on va pouvoir voir les équipes s'éliminer les unes avec les autres. Voilà, la folie de mars, exactement la March Madness. Donc on va pouvoir assister à tout ça, avoir du gros suivi pour justement suivre les garçons universitaires qui vont cartonner. Je m'occupe que des Français ce soir, on sera amené à faire des allées café et des profils de draft concernant les Rob Dillingham, les Colin Murray Boys, les Stephen Cassell, les Nicolas Topic. On a vu Matas Bouzelis là qui était justement All-Star Weekend, des Ron Holland, des Jalen Lowe, des Ryan Dunn. Plein de prospects vont être sous une grosse pression médiatique en mars. Et en finissant avec le Final Four, fin mars, début avril, et là on voit souvent des rises dans le classement. On voit que certains qui ont cartonné peuvent aller grappiller des places. Et donc, c'est ça qu'il faudra surveiller. C'est qu'aujourd'hui, on est sur cette mock draft au moment où on parle. Donc le 23 février. Avant de vous montrer cette mock draft, dernier élément très important. Vous le savez, et je tiens à être très précis sur ce point parce qu'il est important dans la façon dont on travaille et... Vu que vous connaissez Trash Talk depuis longtemps, j'ai besoin de le repréciser de manière annuelle. Vous le savez, on a l'assiette assez pleine avec notamment la NBA, les équipes de France, un peu de NCAA, suivre ce qui se passe évidemment sur le sol français, suivre les joueurs, faire les scouts. On va en parler tout à l'heure avec Giovanni qui a suivi Zachary Zaché depuis le début de saison. Mais il y a des gens de très très grande qualité, très pointus, que je vous suggère de recommander, que ce soit dans le chat ou même en commentaire YouTube, qui font un excellent travail sur la NCAA, mais aussi sur les pépites françaises, etc., etc. Je me permets notamment de citer quelques copains. Vous les connaissez évidemment, les poteaux de Envergure, qui font un suivi depuis très longtemps sur les petites pépites de droite et de gauche. Je fais un shout-out à Got2Guy, dont Nicolas, que j'ai rencontré évidemment, à qui je passe la bise et qui fait le boulot. Il y a les copains aussi de Symbiose, si je ne dis pas de bêtises, que je vous laisse aller checker sur les réseaux sociaux. Bref, entre aujourd'hui et il y a 10 ans, le niveau de couverture sur le basket a explosé. Moi, je trouve que c'est formidable. Je suis content si on a un petit peu contribué. Et plein d'autres personnes y ont contribué. Mais moi, ce que je vais faire surtout là, c'est de la vulgarisation sur quelques prospects français. Si vous voulez rentrer, évidemment, dans les détails les plus profonds, n'hésitez pas à foncer dans les commentaires. Il y a plein, voilà, il y a des gens qui mettent plein d'avis. Le 6e, évidemment, qui a fait aussi un énorme taf, la vidéo, notamment, je crois, sur Zachary Zaché. Plein de gens font du super contenu. Allez les checker à fond. La France regorge déjà de talents, mais surtout de passionnés de basket qui, justement, prennent le temps, quand ils ne peuvent pas parler des foutues déclarations de Doc Rivers ou de JJ Redick qui en a marre parce qu'apparemment, les fans ne veulent pas être éduqués, vont faire du scouting profond, vont aller se déplacer dans des pays froids à l'est ou dans des petites bourgades françaises et aller suivre ces joueurs français ou même les joueurs américains ou français aux États-Unis en NCAA. Donc ça, c'était juste le petit message, voilà, cœur, vous savez comment je fonctionne évidemment depuis des années avec toute l'équipe de Trash Talk. À la fois, nous, on essaie de couvrir un maximum de choses. Moi, je suis le premier, au nom de toute l'équipe, à faire le boulot en amont pour pas me foutre de votre gueule et essayer de vous proposer quelque chose de qualité. Mais il y a des gens qui deviennent très spécialisés maintenant sur certains aspects et je ne peux que les encourager à continuer. Donc, foncez, c'est formidable. Ah, mais même tout le sport a parlé des smashs de Richard Lacoury. Bon, bah alors là, c'est... C'est incroyable. Bien évidemment, Nathan de chez Trash Talk, le GOAT, ça vous le savez évidemment que vous pouvez retrouver sur TikTok. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir partir sur le postulat dont je parlais en début d'émission. Il y a quelques jours, cette semaine, nous avons eu donc Jonathan Givoni qui était en France et qui a notamment pu publier avec Jérémy Hou sa dernière mock draft. Mesdames et messieurs, au 23 février 2024, numéro 1 de la draft, Zachary Risaché. Numéro 2 de la draft, Alexandre Sarr. Oui, vous lisez bien. Numéro 1, Zachary Zaché. Numéro 2, Alexandre Sarr. Descendons un petit peu. Passons les Spurs, passons les Hornets. On pourra reparler, comme je l'ai dit par la suite, de Rob Dillingham, de Matas Bouzelis, de Nicolas Topic, etc. Et là, en 8, Tidjane Salin. Et attention, je préfère le dire tout de suite parce que les gens vont être confrontés à cette situation. Tidjane, si tu m'écoutes, je t'autorise évidemment à me corriger. Je crois que ça se dit Salin, hein, bien évidemment. S-A-L-A-U-N, c'est pas Salone, c'est Salin. Hein. Normalement, là-dessus, il ne doit pas y avoir de problème. Important parce qu'on va être amené à reprononcer ce mot plus d'une fois. À la bretonne, formidable. Donc, vous voyez bien que dans la dernière mock draft d'ESPN,
fin février, qui est quand même pas le média d'en bas de chez vous, avec une petite gazette. Hein. ESPN, ça a 2-3 impacts quand même sur des scouts, des agents, des managers. Eh bien, on voit que nous avons 3 Français dans le top 10 de la draft. Zachary Risacher projeté en 1, Alexandre Sarr projeté en 2, un petit Tidjane Salin projeté en 8. Si on descend un peu plus à la fin du premier tour, si je ne dis pas de bêtises, on devrait avoir un petit Melvin. Où est-ce qu'il est mon ami Melvin? Melvin, il est en début de second tour. Melvin Agença, que on connaît du côté de Saint-Quentin, il est présent, bien évidemment. Melvin Agença, on va en reparler. Cousin hein, de Alexis Agença, si je ne dis pas de bêtises. Et d'autres petits Français qui pourraient se positionner, comme, je vais en reparler, notamment des garçons comme Pacôme Dadier ou bien Adama Abal. Je crois que Adama Abal avait été projeté un peu dans ces hauteurs-là. Et Pacôme, je ne sais pas s'il était là-dedans. Pacôme Dadier, ici projeté en 47e à Houston, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et puis Adama Abal, je crois qu'il était un peu plus haut. J'ai peut-être dit une bêtise. Adama Abal, j'ai peut-être dû le passer. Bon. Dans tous les cas, il y a actuellement, du côté ESPN, que ce soit cette mock draft ou des précédentes, quelques noms qui reviennent. Alexandre Sarr, Zachary Risacher, Tidjane Salin, dans le top 10, top 15 de la draft, Melvin Agença projeté plutôt en fin de premier tour, début de second tour, et du Pacôme Dadier qui peut être vraiment dans ce milieu, aller au max très très bien début de second tour et dans ce range de deuxième tour de draft qu'on va suivre. D'autres garçons sont évidemment éligibles, on va en reparler. Mais moi l'idée là c'était de faire vraiment un focus sur les joueurs français et de faire du profil. Parce qu'il y en a qui ont vu passer des highlights dans tous les sens, il y en a qui ont vu passer certaines données mais qui se disent pas forcément bon bah c'est quel type de joueur, comment ça se passe. Et moi je vais essayer justement de découper tout ça. Tout petit virage belge, je sais qu'on a de la commu belge qui est dans le coin, je sais qu'il y avait du AJ Mitchell qui était mentionné aussi et qu'on a eu pas mal de copains belges qui m'ont mentionné sur Twitter et sur les réseaux sociaux pour me dire quand même il faut mentionner, on reparlera aussi de Nadir Ifi un petit peu plus tard, oui il y a des joueurs belges qui peuvent arriver comme on vient de le voir récemment en NBA. Alors ça c'était côté ESPN, ça donne un type d'avis donc de Jonathan Givony et de Jeremy Wu qui sont quand même très très respectés et qu'on a vu récemment en France. Deuxième média que vous pouvez prendre aussi en considération, The Athletic, quand même pas la moitié d'un boulot fait par Sam Vecenie, hein, tous les ans on le voit à aller suivre des jeunes au fin fond de chaque pays pour voir ce que ça donne. Hop, fin février, qu'est-ce que ça donne? Numéro 1, Zachary Risacher, mesdames et messieurs. Numéro 2, je vous laisse deviner, ça donne monsieur Alexandre Sarr. Donc, de base, fin février encore une fois, avant les tournois universitaires, avant tout ce qui peut se passer, c'est encore un chemin très très boueux, nous avons sur deux des plus gros médias qui existent sportifs, en tout cas aux États-Unis, un sorte de consensus. 1, Zachary, 2, Alexandre Sarr. On a eu du Alexandre Sarr qui a été 1, Zachary est remonté, si ça se trouve Zachary va redescendre, Alexandre va remonter, tout ça se joue, mais on est quand même sur ce genre de perspective. Si on descend un peu plus bas, je vous le fais juste défiler, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à The Athletic pour soutenir le journalisme de qualité. Un petit peu plus bas, je crois, pour Tidjane Salin, on est dans des places 10, 11, 12, si je dis pas de bêtises. Voyons voir, Tidjane, il doit être là, Rich Shepard, Tidjane du côté de OKC via Utah, ce serait formidable pour Tidjane Salin, ici qui est projeté en 12e, voilà, à OKC. Je vais voir s'il y avait Melvin Agença qui était projeté peut-être en toute fin de premier tour, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a Yves Missy aussi qui est dans le coin, donc ça c'est de la petite dédicace, mais voyons voir pour Melvin Agença, je crois qu'il était projeté, je crois qu'il est en fin de, là il y a Zach Eady. Melvin, 37e, ici annoncé à Philly en 37e place. Donc comme je vous le disais, on est un peu plus sur du début de second tour. Je vous avais parlé de AJ Mitchell qui est juste là. Adama Abal, voilà, projeté en 48e du côté de Boston. Donc pareil, on va reparler d'Adama Abal. Et puis un petit Pacôme Dadier qui est ici en 53e. Donc, on se retrouve encore une fois, fin février, sur une sorte d'évidence, en tout cas projetée, c'est très très haut drafté Alexandre Sarr et Zachary Risacher, un petit peu plus bas, mais quand même dans la loterie, monsieur Tidjane Salin, en fin de premier tour, début de deuxième, Melvin Agença, grosse gâchette, on va en reparler,
Et puis ensuite, sur des petits coups de poker, est-ce qu'il y aura du Pacom Dadier? Est-ce qu'il va avoir Adam Abal? Est-ce qu'il va avoir d'autres garçons? Ce sont des possibilités. Comme vous avez peut-être pu le voir, et j'en parlais tout à l'heure, il y a des gens qui couvrent énormément de jeunes pépites. Je pourrais parler pendant des heures de certains profils, mais je vais essayer de focus au maximum sur des noms qui, comme je viens de vous le montrer, ont le plus de chances d'être draftés. Beaucoup de gens et de jeunes s'inscrivent à la draft, sont éligibles, mais ne sont pas pris. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Nadir Rifi l'année dernière, qui était justement inscrit à la draft, mais qui n'a pas été drafté. On reparlera du cas Nadir Rifi parce qu'il est très intéressant. Mais je ne vais pas faire forcément de focus sur du Zachary Perrin, qu'on a vu également en EDF et dont on parlera un tout petit peu rapidement tout à l'heure, de Ilan Fibleuil, de Noah Penda, d'autres garçons comme Ilias Kamardine, Modiawara, qu'on avait vu à Paris, qui je crois est à Poitiers maintenant, si je ne dis pas de bêtises, Nolan Traoré, qui est plus génération 2006, si je ne dis pas de bêtises, et donc on verra, hyper excité moi par Nolan Traoré, on verra bien évidemment dans les années à venir. Donc, je ne peux pas parler de tous les Français, j'essaye de parler de certains cas qui, à mon sens, ont le plus de chances d'être draftés. Donc voilà en tout cas pour le postulat de base. Comme vous le voyez, ESPN, The Athletic s'accordent sur une chose, baguette, fromage, c'est super bien, après Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, on va peut-être avoir 2 à 3 joueurs dans le top 10 de la draft. C'est quand même un truc de ouf. Je veux dire, là, on va avoir très probablement un Français rookie de l'année et un Français défenseur de l'année, après avoir eu un Français qui vient d'être numéro 1 de la draft, et potentiellement d'autres Français numéro 1 de la draft. Je veux dire, le niveau de formation est quand même zinzin. Je vois que certains mentionnent du Maxime Reynaud. Il y a plein de joueurs, évidemment, qui peuvent essayer d'arriver en NBA, mais vous voyez à quel point c'est difficile. Un d'y entrer et deux d'y rester. On ne se rend pas compte, un mec comme Nico Batum, le mec qui a fait une carrière longuissime en NBA, c'est un exploit. Ils ne sont pas si fréquents que ça, les joueurs qui tiennent de longues carrières. Voilà pour la petite intro. Maintenant, rentrons dans les détails. On va faire du profil par profil. On sera amené avec Alex à faire des vrais profils avec l'intro Street Fighter de Léonce, mais pour le moment, on va rentrer dans les détails. Commençons par ce monsieur. Ta-da-da ! Vous l'avez peut-être observé, et on va parler tout de suite de monsieur Alexandre Sarr. Alors, Alexandre Sarr, c'est très très simple. Je vais me permettre, parce que évidemment, sur certaines séquences, je me dis, bon, il n'y a pas de son, on va pouvoir y aller. Mais en gros, Alexandre Sarr, vous l'avez certainement vu un petit peu jouer. YOLO, c'est parti la teuf. Il joue du côté de Perth, en Australie. Et je vous montre évidemment des highlights de certains matchs, notamment de ce qui s'est passé récemment avec de l'affrontement contre de l'équipe de G-League. Alex Sarr, voilà, je vois que certains me disent c'est celui que je connais le moins. Eh bien, Alex Sarr, pour dire les choses de manière assez simple, on est sur un phénomène évidemment athlétique, pivot, plutôt, hein, pivot intérieur, 2m13, 2m15, 2m16 en fonction de ce que dit la street, hein, c'est chacun qui met sous la toise. On est sur un défenseur extraordinaire, défenseur capable sur le périmètre, un joueur hyper intelligent, à l'aise balle en main. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est que on a vu bien évidemment des intérieurs arriver en NBA et qui étaient très frustes, c'est difficile de voir leur développement, mais là lorsque Alexandre a la balle en main, il est hyper à l'aise. On a vu donc ses matchs face à la G League et c'est là-dedans notamment et là-dessus sur cette plateforme qu'il avait totalement explosé aux yeux de la grosse planète mainstream basket. Actuellement il joue en NBL donc à Perth, puisque je vois qu'il y avait des copains de Perth qui étaient dans le chat. Vous voyez cette mobilité. Il y a le combo mobilité, envergure, intérieur, moderne. Capable de switcher défensivement sur beaucoup, beaucoup de séquences. On est capable de contrer à une main, à deux mains. S'il se retrouve sur des joueurs plus petits, il n'y a pas de problème. Regardez ça, hop, merci, ça va sur la planche. Donc, gros contreur, joueur hyper mobile. Et un nom que vous avez forcément entendu, puisque monsieur Alexandre Sarr, c'est le frère de... Alors, si vous suivez bien l'actu NBA... Alexandre Sarr, c'est le frère de... Exactement. Merci, je vois que certains... Ah non, c'est pas Ousmane. Ousmane, c'est Ousmane Dieng. C'est le frère de Olivier Sarr. Mais c'est un peu la même équipe. C'est du côté de OKC qu'on a vu Olivier Sarr. Et donc oui, Olivier Sarr est le grand frère de Alexandre Sarr. On les a vus, hein, magnifique famille sur laquelle il y a eu des reportages, notamment puisqu'ils sont allés en déplacement en Australie voir leur petit, enfin leur petit très très grand, hein, 2m15, 2m16, monsieur Alexandre Sarr. On est sur l'intérieur moderne, comme je disais. Il y a du shoot, il y a des qualités athlétiques énormes. Il est capable de pousser la balle en transition pour lancer des contre-attaques. Il peut finir un peu au contact quand même en attaque. Il a un bout de bras au lancer. Bref, ça représente ce type de profil qui excite énormément de general manager et de coach. Parce que vous le voyez sur les intérieurs de la NBA moderne, lorsque vous êtes très très fort,
mais que vous n'avez pas beaucoup de technique, on peut être amené à vous sortir du terrain dans le quatrième quart-temps. Et voilà, désolé, ça va commencer à soit faire du hack, soit par exemple de l'autre côté du terrain, tu vas empêcher le spacing et c'est compliqué. C'est pas le cas là avec Alexandre Sarr. Et c'est ce potentiel qui le rend assez extraordinaire, c'est que dans la veine, je lui souhaite, hein, des Evan Mobley, des Bam Adebayo, de ces intérieurs hyper polyvalents capables de tout faire, dédiés au collectif, très gros défenseurs, hyper mobiles et avec un bout d'attaque quand même à développer, et ben c'est ça qui excite beaucoup de gens. Et donc, après, toutes les comparaisons sont évidemment possibles, hein, je vais vous remettre les highlights de Alexandre Sarr, mais sur certaines phases de jeu, c'est assez hallucinant de le voir. Alors, évidemment, c'est sur des joueurs moins athlétiques et de plus petite taille dans la Ligue australienne. Hein. On a vu quelques joueurs comme Josh Giddey débarquer récemment d'Australie. On a vu Ryan Rupert aussi, si je ne dis pas de bêtises. Pas mal de joueurs qui se développent justement dans la Ligue d'Australie. Mais voilà, certains parlent de Jaren Jackson Jr. Excellente comparaison, je l'avais aussi noté par rapport à des Bam ou des Mobley. On est sur ces intérieurs modernes. Alors, Jaren Jackson Jr. plus physique, bien évidemment la Melo Ball hein, aussi, hein. Il y avait plein de gars qui se sont développés en Australie, mais plus physique, hein, Jaren Jackson Jr. qui était quand même arrivé en sortie de Michigan en NCAA avec un corps déjà bien développé sur lequel il a mis une grosse barbaque. Mais un gars comme Alexandre Sarr, vous le voyez, c'est à l'aise dans le périmètre. Il n'y a pas de problème. S'il faut finir, il y a les mimines. Il s'est bien développé. Et ce qui est vachement intéressant, je trouve, avec Alexandre Sarr, c'est qu'il faut comprendre le parcours. À la fois, vous avez Olivier Sarr en grand frère. Formidable. Olivier Sarr, on l'a vu du côté d'OKC, soit avec l'équipe de OKC Blues, soit avec le Thunder. Mais à la base, si je ne dis pas de bêtises, avec Alexandre Sarr, c'est un gars qui est passé en formation par le Real Madrid, je crois pendant un ou deux ans, si je ne dis pas de bêtises, du côté du Real Madrid. Il était en catégorie cadet. Et ensuite, il a rejoint les États-Unis pour rejoindre notamment cette espèce de nouveau mode d'entrée en NBA que vous avez probablement pu voir, qui est OTI, Overtime Elite. Est-ce que vous pouvez me citer deux frères jumeaux récemment qui sont passés par Overtime Elite ? On va voir si vous suivez bien Trash Talk et l'actualité NBA. Ils ont été draftés très très haut. Waouh, vous êtes fort. Ah, vous êtes fort, je vois que sur le chat, ça suit très très fort. Les Thompson Twins, bien évidemment. Ossar du côté de Détroit, Amen du côté de Houston. Hein. Très très fort à suivre là, Amen et Ossar sur cette deuxième partie de saison dans des équipes qui vont essayer d'avoir des résultats positifs. On a vu évidemment du Scoot Anderson aussi du côté de G League. Mais donc, du côté de Overtime Elite, on a vu Alexandre Sarr débarquer, essayer d'avoir quelques bases. On avait même vu rencontrer Tony Parker pour essayer d'avoir quelques conseils comment se développer par la suite. Développer ses instincts défensifs, mais pas non plus une explosion. Là, on l'a vu notamment réussir, c'est avec les équipes de France, que ce soit en U17 et en U19. Il y a eu de la médaille de bronze. Je vois normalement sur mes notes qu'il avait la médaille de bronze en 2022. Il y a eu une médaille d'argent à la Coupe du Monde en 2023. Donc, vous avez affaire à un intérieur qui a continué à se développer petit à petit pour avoir ce registre de jeu quand même hyper polyvalent avec capacité à sanctionner de loin si les défenses l'oublient un peu trop, formidable dans la NBA moderne, capable de venir contrer en second rideau si on vient me challenger un petit peu sur pénétration, capable donc d'un petit peu tout faire. Alors, c'est pas un joueur parfait, évidemment, hein, sinon ce serait un talent générationnel et numéro 1 sans la moindre discussion. Il y a Zachary Isaché qui est aujourd'hui dans la conversation pour être le numéro 1 de draft. Quels sont les axes de développement? À chacun le droit de pouvoir donner son avis. Un joueur comme Alexandre Sarr aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des avis très différents. On peut dire que c'est un joueur hyper polyvalent, mais est-ce que c'est une superstar? C'est un joueur de complément ou est-ce que c'est un très très bon pivot dans un effectif qui essaie de gagner? Est-ce que c'est un numéro 1 de draft clair qui rejoint bah, du coup les Wemby et compagnie? Ou est-ce que c'est un petit peu trop pour lui? Et ce serait déjà bien de lui donner quelques places en dessous à la draft pour lui permettre de se développer. Est-ce que c'est un joueur qui va être agressif offensivement? Est-ce que ça va être une potentielle option numéro 1 en attaque? On est quand même dans des mesures de 1m16 qui se rapprochent des Jokic, des Embiid. On vient de voir Wemby débarquer. On a des Karl Anthony Towns. Enfin, je veux dire, pour être un pivot numéro 1 de draft, c'est très très violent. D'ailleurs, ce qu'il faut assumer, c'est pas facile. On a vu des garçons débarquer aussi, des Kristaps Porzingis. Vous voyez ce qu'il fait avec Boston. Vous voyez même la carrière qu'il fait. Il a été All-Star. Il y a eu des petits moments de doute avec Dallas avant de se reprendre à Washington. Mais du coup, c'est un profil hyper intéressant, Alexandre Sarr, parce qu'il est à la fois avec un plancher très très solide et en même temps avec une base à développer
hyper excitante. Et donc, on voit, vous voyez sur ce genre de jump shot là, c'est absolument magnifique. Quand on voit ce qu'il est capable de recouvrir, que ce soit là ici au rebond offensif ou défensivement, tu sens qu'il y a la possibilité, d'entrevoir un avenir royal pour ce garçon. Donc aujourd'hui, Alexandre Sarr, voilà où il en est. Je vous pose la question, je viens de vous montrer là quelques highlights. Si je dis pas de bêtises, Alexandre Sarr, aujourd'hui, il est de 2005, avril 2005, donc il a 18 ans. Il va avoir 19 ans dans 2 mois, si je dis pas de conneries. 26 avril 2005 pour Alexandre Sarr. Je vous pose la question à vous, à quel joueur il vous fait le plus penser? Il y en a certains qui ont mentionné du Jaren Jackson Jr., il y en a certains qui ont mentionné du Bam Adebayo, du Evan Mobley. Est-ce que on a un joueur type qui vous vient à l'esprit quand vous voyez quelqu'un comme Alexandre Sarr? Je regarde un petit peu dans le chat, on met du Chet Holmgren aussi, tout à fait dans la possibilité. Anthony Davis, on lui souhaite. Kevin Garnett, on lui souhaite évidemment. DeAndre Ayton, j'aime bien sur certains registres, même s'il y a un côté un peu plus défensif aérien. Jabari Smith, c'est tout à fait une comparaison mentionnable. Jabari, ouais, complètement. J'avoue que Jabari Smith, c'est pas mal aussi. On le voit essayer de faire sa niche à Houston. Et donc voilà ce que ça donne pour monsieur Alexandre Sarr. Et je vous mets encore une fois quelques petits highlights avant de pouvoir basculer sur un autre profil. Mais en gros, Sarr, l'explosion, elle a véritablement eu lieu avec les deux matchs. Un petit peu comme la voix Wemby, c'est-à-dire il y avait déjà un phénomène évidemment, Victor Wembanyama, mais il y a eu les deux matchs de... j'aime bien Chris Bosh, tiens, c'est pas mal. J'aime bien Chris Bosh, ce qui a été mentionné. Ouais. J'aime beaucoup la comparaison Chris Bosh. Avec un côté un peu plus contreur à rien, gros rim protecteur, mais tout à fait polyvalent à la Chris Bosh. J'aime beaucoup. Je vois que vous êtes très très fort. Comme Wemby l'a fait, Alexandre Sarr, il est arrivé avec Perth et il a joué justement à Las Vegas ses deux matchs d'automne face à la G League. Et c'est devant les grosses caméras qu'il a notamment fait de la grosse production, ce qui est un petit peu un classique à la française, quoi. Il y a eu un premier match à 17 points, 7 rebonds et 6 contre, ce qui lui a permis donc de quand même attirer pas mal de regards. Et il a suivi ça avec 26 points, 10 rebonds, 6 contre et 3 interceptions. Donc il y en a plein en fait qui ont regardé et qui ont fait « qu'est-ce que ça donne ?»« Attends, le mec il est fort comme ça, est-ce qu'on devrait pas le suivre de très très près ?» Aujourd'hui en tout cas, du côté de Perth, en 24 matchs joués, seulement 17 minutes de jeu, il y a 10 points, 4 rebonds et 1 contre, avec plus de 50% en réussite au tir, la capacité à rentrer quelques tirs à 3 points, même si c'est pas trop sa spécialité numéro 1, mais juste capable. Donc, Chris Bosh, j'aime beaucoup. Vous savez quoi? Je vais suivre cet avis du chat qui est magnifique. J'aime beaucoup Chris Bosh, et je pense qu'on va partir là-dessus. Bien Bosh. Et franchement, si Alexandre Sarr, ça devient Chris Bosh, et que Victor Wembanyama, c'est Kareem Abdul-Jabbar, je suis tout à fait pour ce genre de raquette. Je ne sais pas vous, mais c'est formidable. Plafond Chris Bosh, plancher Chris Boucher. J'entends. Ça peut tout à fait être ça. À suivre en tous les cas, n'hésitez pas, la deuxième partie de saison, enfin en tout cas la suite là, des aventures de Alexandre Sarr avant la draft. Pour le moment, en tout cas, il est projeté dans les 5 premières places à couvrir du côté de l'Australie. On va enchaîner, parce que je vais enchaîner les petits profils, et puis après, on va pouvoir se faire un avis global sur ce qui se passe. Ce nom, et surtout ce visage, vous l'avez vu. Je vous en parlais tout à l'heure, et certains sont déjà en train de le mettre dans le chat. Ah, le joli minois, les bouclettes, de qui s'agit-il? Vous le savez, c'est le Z, tout à fait, le Z, Zachary Rizaché. Bourg-en-Bresse est à fond. Le Nani, tout à fait, Zach Nani. Je ne sais pas si c'est Zach Nani, dédicace à mon cher Zach Nani, d'ailleurs qui vient d'ouvrir un resto formidable à être testé pour les Parisiens. Quel roi absolu. Je pense que c'est plutôt Zachary Rizaché. Les anciens savent qu'il y a eu un Rizaché en équipe de France, et pas n'importe lequel. Incroyable famille. Monsieur Zachary Rizaché. Alors, évidemment, je ne vais pas montrer tout et n'importe quoi parce que, notamment en termes de droit, c'est un petit peu plus tricky. Juste, je vous montre ce qui s'est passé en Eurocup récemment et on va pouvoir parler de Zachary qui, aujourd'hui, est mentionné en numéro 1 de la draft. Zachary Rizaché, c'est très très simple. Au moment où on parle, messieurs, dames, on est... Et on va en parler avec le profil complet de monsieur Giovanni Mariette qui a été réalisé, mais on est sur ses ailiers. Forward, capable de jouer 4, 2m07, longiligne, finesse, malin,
Il y a de tout. Il y a du Gordon Hayward, du Franz Wagner, du Mikal Bridges. On est à l'aise, balle en main. Il y a des qualités athlétiques exceptionnelles. Défensivement, il est là. Il peut jouer dans les airs, au sol, en catch and shoot. Il est létal, notamment à 3 points. Quand il est vraiment locked in, ça se passe très bien. Il peut aussi parfois s'effacer dans le collectif, mais il a des flashs extrêmement impressionnants. Il peut dribbler, il peut passer, il peut jouer donc off-ball, comme je l'ai dit. En transition, tout va bien. C'est pas vraiment un joueur d'ISO au moment où on parle. C'est vraiment un sniper pur qui est capable de jouer derrière des écrans, derrière des curls. Il peut sprinter derrière beaucoup de screens. Il joue vachement avec ses coéquipiers. C'est un super gars dans le collectif. Maintenant, est-ce que c'est une superstar de demain? Ça, on le verra. C'est toute la question. Il y en a voilà qui font des comparaisons. Je vous montre juste les images et on refera le jeu des comparaisons. Mais ça, c'était récemment en Eurocup notamment contre Ulm, dont on reparlera puisqu'il n'y avait pas comme Dadiek, si je ne dis pas bêtise, qui jouait en face. Certains mettent même du Nicolas Batum et moi, je comprends totalement. Je vous montre juste ces quelques images. Ça vous donne un peu une idée des qualités, mais grand ailier, grand forward. Vous voyez ces grands forwards qui sont capables de jouer vraiment 3 à 4. Vraiment, c'est pas juste un 3 capable de jouer 2, Zakaria Isaché. On est vraiment sur un 3 capable de jouer 4. Et donc, entre formation, dans une famille qui a connu évidemment le basket au plus haut niveau, on a un super athlète avec une tête bien faite, posée sur des larges épaules, formidable. Et justement, en ce sens, on a eu un grand privilège, si je peux me permettre, c'est d'avoir, et je vous invite à aller le checker, le profil complet de Zakaria Isaché, réalisé de main de maître par Giovanni Mariette, évidemment, de la rédaction Trash Talk. En gros, c'est simple. Si vous foncez et que vous lisez ça, vous saurez absolument tout, vous saurez tout sur Zakaria. Il y a le CV, né en 2005, 8 avril, Paris, il va avoir 19 ans prochainement, 2m07, 95 kg. On le voit évidemment du côté de la JL Bourg. On voit ses stats ici. Vous avez absolument tout qui a été réalisé par Giovanni. Pourquoi? Parce que c'est simple. Depuis quelques mois, comme je l'ai tweeté ce matin, personne ne suit autant Zakaria Isaché que Giovanni de la rédaction. Tu prends ta douche, je te suis. Tu vas aux toilettes ou au parking, je te suis. Plus sérieusement, c'est un travail de longue haleine qui a été pondu par Giovanni, qui va continuer évidemment à le suivre jusqu'à la draft. Et donc, vous avez absolument tout. Vous avez point par point des détails. Regardez, même Giovanni, quand il y avait les propriétaires des Spurs qui étaient présents récemment à Bourg-en-Bresse, eh bien, il était là justement pour les prendre en photo afin de faire un petit peu le reporter, le scout. On a tout vu sur Zakaria Isaché, de la polyvalence en attaque avec donc ses nombreux points forts, un tir qui part de très haut et avec une efficacité létale quand il est en feu. Athlétiquement, il n'y a pas de problème. Il y a de la défense très solide, que ce soit individuellement et en collectif. Beaucoup de qualité en jeu sans ballon, moi ça j'adore énormément, merci Team Throne de balancer le lien dans le chat. Gros bosseur, comme je le disais, joueur sérieux, joueur professionnel, issu d'une famille de professionnels. Regardez la skill balancée de Giovanni un petit peu plus tôt dans la saison, c'était justement fin janvier, 562 tirs en 53 minutes. Ça c'est la routine d'avant-match de Zakaria Isaché, ça fait un tir toutes les 6 secondes. C'est un véritable robot du shoot, capable justement de rentrer dans cette NBA moderne. Alors il y a des points améliorés dont on va reparler, en termes de leadership, en termes de confiance en soi, il n'a que 18 ans. Au lancer, on peut faire bien plus de choses positives. Il y a aussi parfois des pics de concentration, mais sur quand même la durée d'un match, c'est formidable. Et donc en comparaison, Giovanni parlait de Nicolas Batum, de Franz Wagner, de Mikal Bridges, un peu de Michael Porter Jr., allez même du KD si on se permet, et surtout, je me permets de vous lire à voix haute. Vous pouvez retrouver donc sur le site de Trash Talk ce profil complet, mais je vous lis juste à voix haute cette conclusion, cet avis du scout de Giovanni qui me semblait hyper intéressante pour celles et ceux qui sont en live ou pour ceux qui nous écoutent en replay. De carnet complet gribouillé, et on est encore en février. Zakaria Isaché, il est en train de réussir là où Victor Wembanyama avait également réussi, progresser et voir sa cote exploser tout en mettant en lumière son club et son championnat. C'est à Bourg-en-Bresse cette année que l'effervescence est de l'ordre du jamais vu, alors que le club commence tout de même à avoir une jolie petite réputation en France. Jamais la boutique du club ne s'est aussi bien portée et on ne compte plus les petits risachés qui arpentent les travées d'Equinox, le numéro 10 sur le dos. Pour ma part, sa part c'est celle de Giovanni, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai oublié ma place en zone de presse pour célébrer un back-to-back à 3 points. On note aussi que la présence de Zakaria met en mouvance tout un tas de nouveautés dans la région, programme personnel millimétré, présence presque quotidienne de scouts NBA à gérer, mais tout ça se fait de manière cordiale et professionnelle. Zakaria Isaché est à Bourg dans un club qu'il connaît et qui lui ressemble, discret, respectueux et qui enchaîne les victoires à un rythme effréné. Encore deux défis collectifs d'ailleurs pour lui cette saison, championnat et Eurocup. Et s'il n'aura passé au final que 10 mois à la JL, son empreinte risque de rester très,
très longtemps dans les mémoires bressanes et dans les siennes, celles de Giovanni. J'ajouterai que si sa timidité est souvent mise en avant, c'est pour la part de Gio, son humilité et sa gentillesse qui le frappent. C'est une simple présence qui donne à l'air une odeur pailletée, mais lui en a cure et fait son taf, progressant minute après minute. Pour lui, c'est un véritable sans faute. Et je rejoins Giovanni, même si j'ai été moins proche de Zachary Zaché, mais dans ce que j'ai pu faire un petit peu comme boulot à droite à gauche, il y a un plancher avec Zachary Zaché qui est assez hallucinant. C'est que tu sens quand même que dans son jeu, le worst case scénario, certains parlaient de Nicolas Batum, c'est un joueur qui fait une très... complètement MVP, Giovanni, ça c'est sûr et certain. C'est un joueur qui fait une très longue carrière parce que c'est un ailier athlétique qu'on ne peut pas sortir en fin de match. J'en reviens encore une fois à ces joueurs au drafté, est-ce qu'ils restent ou pas en fin de match? Si vous avez justement un ailier capable d'avoir du handle, regardez ce genre de move, qui a un petit peu de potentiel et même du gros potentiel à développer, qui sera présent pour son collectif, mais qui peut aussi briller individuellement. Parce qu'attention, il y a quand même 2-3 performances vraiment méchantes hein, de la part de Zachary Zaché cette saison, notamment que ce soit en championnat ou en Eurocup. Eh bien, on se rend compte que c'est le type de profil qui fait kiffer absolument tous les scouts NBA. Mais regardez ce qui s'est passé récemment. On a vu des Jason Tatum. On cherchait des défenseurs de Tatum avec des Andrew Wiggins. On a vu d'autres ailiers partir dans tous les sens. Si tu as demain Luka Doncic qui arrive en ville, tu as envie d'avoir des profils type Zach. Et donc, c'est ça qui excite beaucoup les observateurs. Zachary Zaché, avant qu'il se passe tout ça, il était même passé par le circuit, je dirais, des grands, grands phénomènes. Je crois qu'il avait fait le Hoop Summit. Si je dis pas bêtise. Je sais pas s'il avait fait le Jordan Brand, mais j'ai un souvenir de Zachary Zaché au Hoop Summit. Je laisserai certains me confirmer. Mais je crois qu'il l'avait fait. Et du coup, c'est quelqu'un, Zachary, qui est quand même sur les petits papiers de beaucoup de scouts et de managers depuis quand même pas mal de temps. Donc, c'est pas quelqu'un qui débarque out of nowhere. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment à continuer à progresser. Et quand bien même, lors du Hoop Summit et de certains rendez-vous de phénomènes, je trouvais qu'il était un petit peu timide, je suis vachement impressionné par le type de confiance qu'il gagne. Donc c'est pour ça que les comparaisons, parfois, c'est à se demander si c'est un formidable joueur de complément, un petit peu comme Alexandre Sarr, avec un plancher formidable, ou est-ce que c'est une future superstar. C'est là que les questions peuvent se poser et qu'on va avoir des joueurs avec un petit peu plus ce côté star en devenir, comme par exemple, je mentionnais tout à l'heure, hein, c'est chacun qui voit son truc, mais Rob Billingham, ou par exemple du Nikola Topic, ou même Matas Bouzelis, hein, qui sont des gars qui peuvent avoir du star en eux, de la superstar. Donc, c'est ça, voilà. Comme Martin le dit actuellement dans le chat, si Alexandre Sarr et Zachary Zaché ils sont ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il n'y a pas pour le moment, de superstars annoncés à cette draft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un gars qui casse tout au niveau générationnel. On sort de la draft de Wemby. Et on voit que Brandon Miller et Scoot Anderson ne sont pas des manchots non plus et qu'il y a d'autres garçons qui sont pas mal. On sort de Paolo Banchero et Chet Holmgren et Jabari Smith. Il y a le sentiment chez les scouts qu'il y a des joueurs formidables dans cette draft 2024, mais pas de gars sur qui tu vas construire ta franchise demain matin. Des super joueurs de complément, oui. Des lieutenants d'une superstar, exactement. Mais est-ce que ce sont des futurs multiples All-Stars? Peut-être, moi je leur souhaite, mais c'est pas aussi évident que cela. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à foncer, s'il vous plaît, sur le site de Trash Talk pour aller lire cet incroyable profil complet de Giovanni qui sera là tout au long de la saison pour suivre M. Zachary Zaché, à qui évidemment je passe la bise, que ce soit à lui ou à sa famille. Formidable talent, moi j'ai très très hâte de continuer à le regarder et je suis hyper impressionné par ce qu'il a été capable de présenter, surtout dans sa progression ces derniers mois. Petit break, donc comme je le disais, ESPN et The Athletic, aujourd'hui, Alexandre Sarr, Zachary Zaché en 1 et 2. Je vous pose la question, le temps de boire une lampée. Vous, si vous deviez en drafter un en premier parmi les deux, ce serait lequel? Juste par pure préférence. Est-ce qu'on me prend du Alexandre Sarr ou est-ce qu'on me prend du Zachary Zaché? Ouh! Il y a plus de Sarr que de Rizaché, tiens, j'ai l'impression. Alors là, j'ai pas accès en soi au sondage, et en plus, je l'ai pas paramétré, donc je vais rediscuter tout ça avec Léonce, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les gens sont plus sur Alexandre Sarr. Mais il y a peut-être cette question de potentiel que certains veulent mettre un peu plus en avant sur Alexandre Sarr, même si je trouve que le potentiel de Zachary est quand même assez énorme. S'il a ce côté... Allez, faut aller chercher tout ça. Vous voulez un autre phénomène? On enchaîne. Alexandre Sarr, Zachary Zaché, et alors là, bonjour. Phénomène athlétique? Oui, monsieur! Tijan!
Monsieur Tidjane Salin. Tidjane Salin. Du côté de Cholet. Pas de soucis pour celles et ceux qui arrivent en retard. On va parler de Monsieur Tidjane Salin. Alors là, attention. Voilà, il y en a qui mettent tout de suite le bison. Attention, phénomène physique. Soyons très clairs. On a parlé d'Alexandre Sarr et Zachary Zaché. Formidable, hein, de très très beaux athlètes, hein, des beaux bébés. Hein. Tidjane Salin, j'ai rarement été aussi impressionné par un mec sur son poste. 2m06-7, 93-95 kg, une gestuelle formidable. C'est parti, on montre 2-3 highlights, notamment pour celles et ceux qui veulent voir se fouetter. Nom de Dieu! Regardez la gestuelle de Monsieur Tidjane Salin lorsqu'il shoote. On a envie de le voir shooter en permanence. Moi, quand je le vois shooter, j'ai tellement envie de voir shooter Tidjane Salin en NBA. Regardez dans le corner, c'est magnifique. La gestuelle est bien gardée. Gooseneck, extrêmement fort. Alors là, pareil. Hein, dans, comme j'en parle avec Zachary Zaché, on était sur un joueur qui était observé de très près par beaucoup, beaucoup d'observateurs et depuis longtemps. On sentait très, très tôt que ça allait être un athlète extraordinaire. Et donc, de quoi on parle? Eh bien, on parle d'un joueur qui est évidemment de 2005. Si je dis pas bêtise, lui aussi, voilà, il est de août 2005. Donc, il va débarquer à la draft avec 18 ans et quelques dents, mais il aura 19 cet été. Et donc, on a quoi? Eh bien, on a ces dimensions exceptionnelles avec donc des bases qui ressemblent à du Zachary Zaché, mais un côté encore plus physique. C'est un 2005 qui a déjà un corps typique NBA. On l'a vu passer du justement, si je dis pas bêtise, côté espoir à l'INSEP. Il avait fait notamment du doublé championnat de France et trophée du futur avec une première saison pro actuellement à Cholet. On est sur cet ailier grand et long, hyper musclé, athlétique. C'est simple, quand vous voyez Tidjane rentrer sur le terrain, vous ne pouvez pas l'ignorer. Il va tout le temps se passer quelque chose. Il va y avoir un cut, un shoot, il va y avoir une grosse défense. Vous allez forcément le remarquer parce que on ne peut pas quitter du regard. On a les yeux, moi je sais pas vous, mais j'ai les yeux rivés sur lui. Et vraiment, regardez, hop, ça c'est action NBA, tout simple. Action NBA, je vous la remets juste tout simple. Ça, pour des scouts, c'est tout simple. Catch, feinte, tu poses un dribble, tu vas à l'arceau. Feinte, juste un dribble, arceau. Juste ça, de base, ça fait kiffer bon nombre de scouts parce que ce sont ces profils de freak un petit peu sur les ailes. Qu'est-ce qu'on a avec Tidjane? Je vais remettre juste la vidéo depuis le début, comme ça je vais pouvoir vous parler en même temps. Qu'est-ce qu'on a avec lui? Eh bien donc, comme je le disais, on a ce joueur grand, long, hyper musclé, hyper athlétique, avec historiquement un bon tir de loin. Sachant que dans la NBA moderne, on aime ces ailiers qui aiment mettre ses tirs de loin et qui a cette ténacité. Moi, j'avais pu le croiser très rapidement lors du match de Bronny et de Bryce James à Nanterre. C'était il y a un an et demi, hein, donc l'été précédent. C'était notamment un des matchs sur lequel Bilal Koulibaly avait totalement dominé la rencontre. En transition, Tidjane, il sait faire, il n'y a pas de problème, il sait cut backdoor sur du demi-terrain, il sait complètement courir sur les ailes et sanctionner. Défensivement, c'est déjà un joueur capable d'être game changer, il rentre sur le parquet, il y a tout de suite une ténacité, et c'est ce potentiel. Potentiel de zinzin absolu avec Tidjane Salin, on en parle beaucoup dans les coulisses France depuis plusieurs années. Il répond très fort face au duel physique, il accepte les challenges, il va parfois mettre la tête là où personne n'ose mettre le pied. Ses entrées en jeu, comme je l'ai dit, sont donc très remarquées. Maintenant, là où il y a des hésitations, ce sont sur deux aspects qui notamment ont pu un petit peu suivre du Bilal Koulibaly par exemple, c'est que le handle est plutôt suspect en l'état, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça peut donner vraiment en création avec le dribble, et comme on vient de le voir avec du Zachary Zaché, c'est hyper important d'avoir cette aisance balle en main pour pouvoir créer. On parlait de Franz Wagner, on parlait de d'autres garçons, de Gordon Hayward avec qui il pouvait être comparé, de Mikal Bridges. Ce sont des garçons, tu leur donnes la balle, tu leur mets un écran, ils savent faire, pour eux et pour les autres. Il y a ce doute concernant Tidjane Salin. Il y a aussi ce manque parfois d'agressivité sur des joueurs qui vont venir vers lui. Est-ce qu'il sait bien justement sanctionner? Parce que vous le voyez, il est capable. Mais il pourrait détruire la compétition s'il lisait vraiment bien la façon dont ses défenseurs viennent sur lui. Est-ce qu'il faut shooter ou est-ce qu'il faut justement rentrer sur de la pénétration après une petite feinte? Il n'y a pas ce sentiment de vouloir prendre les choses à son compte. Voilà, c'est une réalité. Maintenant, c'est quelque chose qui se développe. C'est très rare de voir des joueurs uber confidents à 18 ans. Mais c'est sur ce potentiel pur que Tidjane attire énormément de regards.
Vraiment. Et que là, pour le moment, statistiquement, eh bien, vous le voyez, à Cholet, je les ai sous les yeux, on est sur du 8.3 rebonds, 8.4 rebonds et une passe, avec voilà, des pourcentages qui peuvent être nettement améliorés, même si à 3 points, il y a cette capacité-là. Mais donc, défensivement, oui, il est là. Physiquement, oui, il est présent. Et donc, on est plus sur ces profils, vous voyez, en dehors du top 5 de la draft, où c'est très brut, diamant brut. Et si on le fait bien bosser, the sky is the limit. Il y a vraiment de ça. Est-ce que vous avez des noms qui vous viennent un petit peu à l'esprit? Je vous remontre un petit peu là les highlights et vous allez me dire s'il y a un joueur qui vous vient à l'esprit parce qu'il y a plusieurs comparos hein, avec Dutigen. Certains ont dit que c'était un Kevin Knox plus, vraiment, ce qu'il est capable de faire. Il y en a qui mettent du Keegan Murray, Jonathan Kuminga, je peux entendre, Michael Carter, Gilchrist, je trouve ça très très dommage. Qu'est-ce qu'on me met un petit peu? Michael Porter Jr., il y a tout à fait de ça, et dans la gestuelle, et on lui souhaite évidemment d'avoir le même type de carrière, mais c'est vraiment pas facile. Mais MPJ revient. Il y en a qui me disent un petit peu de Tatum, il y en a qui me parlent de Obi Toppin, pourquoi pas, même si Obi Toppin, c'est pas forcément la défense qui va être son atout principal. Aaron Gordon, formidable. Aaron Gordon, j'adore. Super comparo. Aaron Gordon. Même si Aaron Gordon rêverait d'avoir à 18 ans le même shoot que Tijan Salin, si je peux me permettre. On mentionne quoi? Rachid Wallace, bah là on lui souhaite. Scottie Pippen, très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu tentaculaire qui est vachement impressionnant avec Tijan. Otto Porter, pourquoi pas? Grant Williams, ce serait beaucoup plus grand. Mais c'est vrai qu'il y a certains de ces joueurs, Lauri Markkanen, alors pareil en développement, parce que Lauri Markkanen était un monstre offensif déjà très tôt, hein. Il est arrivé avec la Finlande, il a failli, je crois qu'il avait tapé la France en jeune. Genre un de ses premiers matchs avec la Finlande, il a tapé l'équipe de France A, hein, je crois, Lauri Markkanen. Il y avait absolument tout. Tobias Harris, j'aime bien dans le concept. En tout cas, voilà, vous voyez qu'il y a tout ce potentiel, et que donc de base, worst case scénario, on a un super défenseur qui peut faire carrière en NBA, mais dont on va essayer de développer le profil offensif. André Robertson n'a pas duré très longtemps en NBA, mais c'était un joueur qui était très fort défensivement, avec des espoirs au OKC qui puisse avoir le shoot ou le handle qui va avec. C'est ça qui va parfois faire étonner certains scouts et dire « Ah, en termes d'agressivité, en termes de plafond, on comprend les choses, mais il faudrait beaucoup de temps pour que Tijan devienne vraiment confiant balle en main en NBA. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je suis amoureux du profil et du potentiel. Vraiment, c'est typiquement le genre de joueur qui doit tomber dans le bon environnement. Vous voyez la différence là, par exemple, avec du Alexandre Sarr et Zachary Risacher? J'ai l'impression que Sarr et Risacher, on les met notamment dans n'importe quel type d'environnement et ils vont essayer de trouver des moyens de contribuer. J'ai l'impression que Tijan, s'il tombe dans une franchise complètement éclatée, dysfonctionnelle, ça va être vraiment très très compliqué. Je ne sais pas si c'est mon chouchou de toute la draft, mais en tout cas, chez les joueurs français, je dois avouer que quand il rentre sur le parquet, il se passe un truc, quoi. Et ça, c'est vraiment la marque des très très grands. Potentiellement. Mais il se passe quelque chose quand il vient de rentrer sur le terrain. Donc voilà, à suivre de très très près, mais ce profil est hyper intéressant à devoir surveiller. On va devoir évidemment enchaîner avec une famille qui a un nom assez connu. Si vous avez suivi du côté de Saint-Quentin, Monsieur Melvin Agença, qui est cousin, je vous laisse me confirmer, mais normalement qui est cousin, si je ne dis pas de bêtises, de Alexis Agença, qu'on a très très bien connu en NBA, la bise à Alexis s'il nous regarde aujourd'hui. Melvin, bien évidemment, qu'on a vu du côté de Saint-Quentin, joueur évidemment avec des capacités offensives très très élevé, qui a beaucoup progressé. Je vais vous montrer pareil un petit peu de highlight et on va pouvoir en parler en détail. Alors Melvin, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'espère que vous aimez de la belle gâchette, parce que là, on a de la très très belle gâchette. Melvin Agença, il connaît l'espace dans lequel il doit jouer. Il va pas souvent sortir de sa zone de confort. C'est un joueur, regardez, qui peut aller sur pénétration et finir de manière agressive, mais c'est aussi une magnifique gâchette à 3 points. Regardez un petit peu de handle, hop là, step back, 3 points, ça rentre, ficelle. Donc, il y a des coups de chaud offensifs potentiellement énormes. Dès qu'il était déjà dans la catégorie moins de 20, il était très bon. C'est un joueur qui a quand même un bagage particulièrement polyvalent, notamment sur le shoot à 3 points, parce que c'est pas juste un catch and shooter, vous le voyez, hein, il y a du step back, il y a du 3 points avec la balle en main, justement. On l'a vu, je crois qu'il avait joué, si je dis pas de bêtises, avec Victor Wembanyama en France, mais je vous laisserai confirmer, mais je crois qu'ils avaient joué dans la même équipe.
Je sais plus si c'était le pôle, France ou pôle espoir ou si c'était en nationale masculine, mais il y a eu en fait, puisqu'ils sont de la même génération. Hein. Je note là que Melvin Agença, c'est 2004, c'est juin 2004. Donc il a 19 ans, il aura 20 ans pour la draft. Mais je crois qu'il avait notamment joué avec Wemby. Et on est plutôt sur un swingman, un joueur qui va jouer poste 2, poste 3, 2 mètres, 2 mètres 03, 3 et potentiellement 10, avec donc cette capacité à être très fort shooter. C'est un gars qui a beaucoup bossé pour avoir justement ce shoot, défenseur solide. Il y a des doutes sur le jeu lorsqu'on rentre dans le petit périmètre, c'est-à-dire le jeu à l'arceau, c'est-à-dire comment est-ce que ça va se passer sur la durée. Il y a du poster parfois, hein, c'est très très fort, mais est-ce qu'il a vraiment un jeu en pénétration? Est-ce qu'il sait bien provoquer des lancers? Ça, on va voir. Il sait certes poser des écrans et jouer notamment sans le ballon. Il est capable de jouer aussi avec ses coéquipiers, mais voilà, c'est à voir, j'ai envie de dire, à voir ce que ça donne en termes de potentiel de profil à développer. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a des noms qui vous viennent à l'esprit, mais certains mentionnent Eddie Jones. Moi, j'ai pensé par exemple à du Kelly Oubre. Vous voyez un peu Kelly Oubre dans ce registre de joueur qui est capable offensivement, qui ne va jamais devenir une superstar, mais qui est capable d'être un petit peu dans du Kelly Oubre, c'est-à-dire un joueur avec une belle, belle, belle gâchette à 3 points. Je regarde un petit peu ce qui se dit sur le chat. Malik Monk potentiellement, et on lui souhaite ses coups de chaud là. Caris LeVert, et on lui souhaite un handle aussi fort que celui de Caris, parce que quand même il a un bout de handle, hein. Caris LeVert c'est très très fort, mais il y a du Caris LeVert. Je regarde un petit peu ce que dit le chat, mais voilà, vous voyez donc que les noms qui sont balancés, Cam Thomas pour ceux qui aiment s'éclater, Jordan Clarkson, donc on est dans un registre, dans tous les cas de joueurs dont vous parlez, qui sont plutôt des registres de 6ème homme. Et des formidables 6ème homme. Hein. Mais donc c'est ce qui fait que, notamment pour du Melvin Agença, qu'on voit et que vous pouvez voir jouer du côté de Saint-Quentin, on est sur un joueur qui a vachement bien bossé, progressé, qui est capable de coups de chaud de fou offensivement. Mais est-ce que c'est une option numéro 1 ou un joueur suffisamment solide des deux côtés du terrain pour que ce soit ton starting 2 ou ton starting 3? C'est là la question. On va voir ce que ça peut donner. Moi, je parlais, voilà, certains mettent dans le chat Kelly Oubre, je trouve qu'il me fait beaucoup penser à ça. Norman Powell, très très bon exemple, Norman Powell, j'aime beaucoup ce que ça peut donner. Norman Powell, je trouve ça vachement pertinent, merci le Padre. Voilà, on est sur ce registre-là. Et donc des joueurs importants, hein. Norman Powell, super sortie de banc pour des Raptors champions. Isaiah Joe, on me mentionne. Alors Isaiah Joe qui aimerait avoir les cannes de Melvin, parce que Melvin Agença, on voit quand même quelques gros posters sur pénétration. Mais voilà, c'est un profil en tout cas qui devrait être sélectionné, mais plutôt sur le range entre le début du second tour et la moitié du second tour. C'est ce que je me montrais là, c'est-à-dire entre les places 30 et 45, potentiellement fin de premier tour. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas à Melvin Agença. J'enchaîne, bien évidemment, avec un copain dont je vous parlais tout à l'heure, puisque il joue du côté de Ulm et il a affronté récemment Monsieur Zachary Zaché. Je continue donc le tour. On a fait Alexandre Sarr, Zachary Zaché. On a fait Monsieur Tidjane Salin. On vient de faire Melvin Agença. Et on va terminer les profils complets avec Pacôme. Monsieur Pacôme Dadier. Pacôme Dadier, je vais vous le montrer évidemment avec certains petits highlights, histoire que vous puissiez vous éclater, je vous mettrai en boucle. Moi, c'est ce que j'appelle dans mon jargon un jack of all trades, pour ceux qui connaissent l'expression vraiment américaine. Pacôme est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. À la base, étiquette de force scorer, et il est capable, vous allez le voir notamment sur son tir, d'être force scorer. C'est pas forcément le shooter le plus régulier, mais il est à l'aise. Il est à l'aise. Et donc, on est sur des très, très belles mensurations, puisque on est sur un joueur, si je dis pas de bêtises, j'avais ça sous les yeux, excusez-moi, blablabla. Pacôme. Pacôme, on était sur 2 mètres, 6-7. 6-7, capable même d'être 6-8, si je dis pas de bêtises, avec quand même un corps déjà bien sculpté. Vous voyez, là, quand on le voit physiquement, on sent que pour un mec, justement, qui est plutôt jeune, eh ben, il n'y a pas de problème pour aller switcher sur certains garçons. Intelligence de jeu, polyvalence, capable de faire tourner le cuir, capable de s'intégrer dans le collectif, il y a de l'énergie, il y a de la polyvalence, il sait tout assez bien faire, même bien faire, mais est-ce qu'il est vraiment spécialiste dans un ou deux choses particulières. Voilà, pendant que je vois que dans le chat, ça s'éclate sur le prénom Pacôme, il n'est pas comme les autres et tout ça, je vous remets juste ces petits highlights histoire qu'on s'éclate, mais moi j'adore ce genre de joueur polyvalent, il est capable de vraiment contribuer dans tout. Je sais pas, par exemple, vous voyez
c'est pas forcément une bonne chaîne ou quoi que ce soit, mais pour les fans de Portland qui voient en ce moment du Skylar Mays, c'est-à-dire que c'est les point guards qui sont capables de faire plein de choses vraiment de manière hyper positive, mais est-ce que c'est un joueur qui va vraiment devenir très bon dans certains aspects et qui va lui permettre de faire la différence? Est-ce que on est sur, je sais pas moi, est-ce qu'on lui souhaite d'être par exemple dans un range à la Austin Reeves qui est très polyvalent sans être une superstar dans un jeu dans un type de jeu précis, si je peux me permettre. Alors après, je ne le compare pas à Austin Reeves, il y a d'autres garçons à qui on peut les comparer. Il y en a qui mettent du Bilal par exemple, en un moment, Quentin Grimes potentiellement. Alors oui, il a que 18 ans, mais c'est pour ça qu'il est plutôt projeté sur la fin du second tour, parce que Pacom, il a cette polyvalence, mais le star system n'est pas forcément ce qui lui colle le plus à la peau. Force scorer pourtant de base. Donc on va voir s'il peut bien se développer. Il était à Ulm en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Il a un profil à la Pacom Dadia, tout à fait. C'est ce qui fait sa singularité. Pacom Dadia ressemble à Pacom Dadia et c'est très bien comme ça. C'est pas comparable. Bon, d'accord. Je vois que vous êtes chaud de fou. Non, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à aller checker les matchs et notamment les highlights de Pacom Dadia du côté de Ulm. Il a joué récemment contre Zachary Zaché, comme je le disais, et il a été tout à fait honnête, hein, même très très bon. Mais on est plus sur un très gros talent qui donne une base tout à fait solide. Mais est-ce que le potentiel va complètement halluciner les scouts NBA? Pour le moment, c'est un peu moins sûr. Donc voilà. Un joueur pas commun. Magnifique. Je sens que là, sur Pacom, les gens vont s'éclater. Mais moi surtout, je passe un shout-out à Monsieur Pacom Dadier parce qu'il fait partie justement de ce groupe de 5 Français, comme je viens de dire, qui sont très probablement draftables sur le mois de juin 2024. Je récapitule donc. Alexandre Sarr, Zachary Isaché, Monsieur Tidjane Salin. Ça, c'est projeté top 10 ou top 15 de la draft. En attendant de voir ce qui va se passer avec la March Madness. Melvin Aginsa, Pacom Dadier. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, d'autres garçons comme Monsieur Adam Abal, qu'on a pu voir du côté là récemment de Santa Clara. Là, c'est une photo quand il était à Arizona, mais ensuite il a joué du côté de Santa Clara. Et on l'a notamment vu, peut-être que vous avez vu des highlights en début de saison, parce qu'il a mis un game winner contre Gonzaga. C'était dans l'actualité il y a quelques semaines. Monsieur Adam Abal avait posé des bases hyper intéressantes sur sa saison justement en NCAA. Je vais vous montrer quelques highlights justement de ce qu'il est capable de faire. Monsieur Adam Abal. On est sur une saison pour le moment à 15.3 rebonds et 3 passes de moyenne avec 31 minutes de jeu, enfin du temps de jeu du côté de Santa Clara. Et donc, il y a pareil ce jeu tout à fait polyvalent. On est sur un joueur avec des belles dispositions athlétiques, un 6'6", donc plutôt 1m98, quasiment 2m avec 90 kg, plutôt à l'aise balle en main, comme on l'avait vu sur son game winner, notamment contre Gonzaga. Et donc, potentiellement sur du second tour de draft, potentiellement, mais de là à avoir des grandes montées, il faudrait justement une incroyable fin de saison, mais c'est pas si certain que ça, quoi. Donc, il a eu un grand moment, là notamment, avec cette actualité face à Gonzaga. Mais Adam Abal, moi je croise les doigts pour qu'il puisse être drafté, il va être dans ce range avec Pacom Dadier. Voilà un petit peu pour les quelques profils. Je voulais terminer avec 2-3 noms évidemment importants, parce que je vois que certains en ont mentionné sur le chat, et on va pouvoir y revenir. Il y a le dossier en soi, Nadir Ifi. Et donc Nadir, on le sait, était à la draft l'année dernière. Je vous le mets juste en image. Monsieur Nadir Ifi, qu'on voit du côté de Paris. Nadir était, si je ne dis pas de bêtises, à la draft l'année dernière, mais il n'a pas été drafté. C'est-à-dire qu'il a posé son dossier, on l'attendait potentiellement au second tour, et il n'a pas été sélectionné du tout. On va parler après des jeunes de l'Aja, vous en faites pas. Mais concernant Nadir Ifi, je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on peut se présenter plusieurs fois à la draft. Et si je dis pas de bêtises, c'est 3 fois. Il faudra que je vois comment ça s'est articulé avec les nouveaux CB, etc. Mais je crois que Nadir Ifi peut encore se présenter à la draft et qu'il a attiré suffisamment d'observateurs autour de lui. Et que comme on le voit là avec le Paris Basket, ou comme il a été dans n'importe quel setup basket, Nadir Ifi, il va get buckets. Que ce soit à Rucker Park, que ce soit au K54, que ce soit en championnat de France, que ce soit en Europe, que ce soit en G League, que ce soit en tout, ça va get buckets.
Il a dit non, c'est une fois. Non, il peut pas. D'accord. C'est ce qu'il disait dans Zach en roue libre. Eh ben, j'irai regarder le replay notamment. Donc, foncez, allez voir l'épisode de Nadir Ify dans Zach en roue libre. J'avais l'impression que ça pouvait être jusqu'à trois fois, mais peut-être que c'est. Il y a une distinction entre les joueurs américains et les joueurs internationaux aussi. S'il ne peut plus, c'est comme ça pour Nadir Ify. Malheureusement, il y a d'autres portes d'entrée pour arriver en NBA. Je crois que ça reste un rêve, évidemment, tout à fait atteignable pour Nadir parce qu'il a cette capacité offensive à prendre complètement feu. On est sur 1m85 hein, de culot et de talent et de vista balle en main. Hein. Il a vraiment tout le bagage des grands guards capables de prendre feu et de terminer des matchs à eux seuls. Moi, je le trouve vraiment hyper excitant. Mais je viens juste trois fois... Trois fois, mais si tu retires ton nom avant la draft. D'accord, ok. Bon, j'avais pas toutes les spécificités. Il faudra encore une fois, veuillez m'excuser, il faudra que j'aille, un, voir le replay de l'émission entre Zach Nani et Nadir Ify, et deux, que j'aille revoir notamment au niveau CBS ce que ça donne pour les présentations à la draft. Mais Nadir, du coup, vu qu'il était à la draft 2023 et qu'il n'a pas été sélectionné, il faudra trouver d'autres portes d'entrée pour arriver en NBA. Donc, un peu compliqué pour lui. Mais le talent est indéniable, donc on se verra tout ça. D'autres garçons, évidemment, que je peux mentionner très rapidement. Zachary Perrin, que moi j'avais adoré avec l'équipe de France. Profil intérieur, musclé, besogneux, capable vraiment de jouer des couples et de se faire une place dans la raquette. Il y a eu, si je dis pas de bêtises, un passage un peu foiré côté NCAA. Pas que ce soit de sa faute non plus, mais... c'était pas forcément le rôle auquel il s'attendait de la part de son entraîneur et de ce qui avait été un petit peu projeté et promis de la part de son université. Donc, du coup, je vois et je valide totalement ce que Yabou Freak dit. Perrin, c'est profil Europe, pas trop profil NBA. Zachary... oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. Zachary Perrin, j'avais dit Zachary Zaché. Zachary Perrin, il y a cette évidence. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça vachement bien. Vous pouvez regarder certains de ses propos, Zachary Perrin. Je crois qu'il accepte aussi totalement le fait que être un excellent joueur en Europe, ben c'est formidable. Et parfois, on met un petit peu trop la NBA, la NBA, la NBA. Mais s'il a, avec son registre de jeu, plutôt demi-terrain, plutôt besogneux à l'intérieur, s'il est capable de se faire justement une place en Europe, eh ben c'est formidable. Mais Zachary Perrin, avec l'EDF, il nous a fait des dingueries sur le niveau un petit peu inférieur, donc pas avec les A, mais avec justement les U20, U19, U17, etc. Donc, à suivre, il est retourné du côté de Antibes, si je dis pas de bêtises, avec les Sharks. Mais on va voir ce que ça peut donner pour lui. Je crois que pour Zachary, la NBA, c'est plus une actu. Et c'est comme ça. C'est comme ça, ça arrive. Un copain qui est en NCAA, on venait parler de Danama Ball. On peut parler aussi, si je dis pas de bêtises, de Ilan Fibleuil, qui est du côté de UCLA à suivre en ce moment. Donc voilà, je n'ai pas envie de dire de conneries, donc je ne vais pas parler davantage de Ilan, mais à surveiller, il y a quelques highlights évidemment qui sont disponibles, et à voir comment est-ce qu'il va être utilisé du côté de Los Angeles. Donc à voir pour Ilan, mais c'est un choix notamment qui est fait assez jeune de vouloir essayer d'exporter son talent sur la case universitaire et ensuite se développer. On a vu certains réussir à faire ça. Ronny Turia fait arriver à Gonzaga et a réussi à être drafté en tant que joueur français venant de NCAA. De plus en plus de joueurs français sont sélectionnés parce qu'ils ont été dans d'autres ligues, soit ligue française, soit ligue européenne, soit ligue australienne et océanienne. On avait même eu du Gershon Yabusele qui était... Gershon, il n'avait pas fait la Chine. Gershon, il n'avait pas fait la Chine pour arriver en NBA. Je vous laisse me confirmer. C'était pas ça, Gershon. Je crois, hein. Bon, en tous les cas, je laisserai le chat me confirmer. Chine et après, voilà. La Chine, c'était après. Ok. Chine, c'était après la NBA. Très bien. J'avais l'impression que c'était dans le sens inverse, mais je pense que c'était parce que c'était l'époque de certains garçons, comme Emmanuel Moudier, qui essayait de casser un petit peu ce mode-là et qui venait de Chine. Mais je pense qu'il avait fait ça dans l'autre sens. C'est après la NBA, la Chine. My bad. Sur les autres petits profils français, je vois que certains les demandaient. Des copains comme par exemple Noah Penda ou Ilias Kamardine, que j'ai aussi, si je dis pas de bêtises, en image. Ce sont des jeunes fort talents. Je ne sais pas pour le moment où est-ce qu'ils sont projetés, des joueurs de talent sûrs et certains, mais où est-ce qu'ils sont projetés dans les scouting NBA, ça j'en sais pas plus. Est-ce que ça va évoluer au fil de la saison là et avec la loterie et notamment les scrimmages qui pourraient avoir lieu autour de la draft? À voir.
mais c'est des noms qu'on peut mentionner. Modiawara aussi, qu'on avait vu du côté du Paris Basket, mais qui n'avait pas trop de temps de jeu, si je dis pas de bêtises, et qui du coup est à Poitiers. Je vous laisse me confirmer, mais je crois qu'il a, il a été prêté par, par le Paris Basket du côté de Poitiers. Faisait partie des jeunes phénomènes qu'on pouvait voir sur les prochains mois. Voilà à peu près pour les noms principaux. Sachant que je vois que certains mentionnent du Traoré. Moi, il y a dans mon viseur sûr, mais c'est plutôt par la suite, une pépite absolue pour moi, qui est donc Nolan Traoré, que j'ai très, très, très hâte de voir. Je vois que certains mentionnent du Maxime Reynaud. Nolan Traoré, énorme coup de cœur. N'hésitez pas à aller checker Nolan, vraiment, qui a un côté dragster, star. Il a du flair compétitif, il y a du shoot, il y a de tout. Moi, j'adore Nolan Traoré. Je suis dans le train, je le conduis avec celles et ceux qui veulent. Il y a évidemment du Soliman aussi à suivre. Il y a plein de joueurs français qui sont en formation. On est un énorme vivier de talents. Mais donc, pour récapituler, on a aujourd'hui une bataille pour la draft 2024 entre du, notamment, Alexandre Sarr, Zachary Izaché, Monsieur Tidjane Salin, Monsieur Melvin Agensa, et potentiellement du Paco Mdadié ou du Adam Abal. Voilà où on en est aujourd'hui. Encore une fois, tout peut évoluer. Si ça se trouve, on n'aura que 3 Français draftés. Désolé pour Melvin, désolé pour Pacom, désolé pour Adama. Et si ça se trouve, Tidjane va encore grimper dans les mocks. Et si ça se trouve, Zachary Izaché et Monsieur Alexandre Sarr vont chuter. Mais il y a cette évidence, c'est que la France regorge de talents. Et je voulais essayer d'un petit peu de débroussailler le terrain. Donc voilà, j'espère que ça aura été assez complet. Encore une fois, je suis preneur de tout type de suggestions. C'est ça le plus important. C'est essayer, nous, de se serrer les coudes entre passionnés de basket en France pour se dire, bon bah tiens, si vous voulez suivre plus tel joueur, n'hésitez pas à aller checker tel compte ou tel média sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Il y a des sites qui font du super boulot. Foncez. J'espère que dans ma humble demeure, j'ai pu faire le travail comme il se doit. J'attendrai d'avoir un avis des experts en la matière pour me dire si c'était particulièrement respectable par rapport au scouting habituel qui est fait sur certains joueurs. Je rappelle évidemment qu'avec Alex et Léonce, on fera des profils un petit peu plus développés. Et surtout, quelques informations dernières avant de parler notamment de TTFL, des matchs de ce soir et un petit peu de pronostics. Surtout, 2 choses importantes dont vous devez vous rappeler. 1, la draft, elle est en 2 jours. À partir de cette année, on va avoir une draft dont le premier tour est le mercredi et le second tour est le jeudi. Donc on va avoir déjà une modification réelle au niveau de la draft. Avant, c'était une seule et même soirée. À partir de cette année, on a la draft commentée, le premier tour est commenté évidemment le mercredi. Le second tour, je pense qu'on va le live tweeter bien gentiment. Mais si ça se trouve, on aura une double dose de France. Il faudra surveiller tout ça. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que comme je l'ai dit en préambule, ne prenons pas ça pour acquis. On est au devant d'une potentielle deuxième draft de suite avec un Français numéro 1. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Merci aux compliments qui sont balancés dans le chat. Évidemment, vous êtes des amours. Je vous pose la question à vous avant qu'on bascule sur de la NBA puisque les matchs vont bientôt démarrer. Donc la NBA va reprendre ses droits. Par rapport aux joueurs là que j'ai mentionnés, votre coup de cœur. Entre Tidjane Salin, entre Zachary Izaché, entre Alexandre Sarr, entre Melvin Agensa, entre d'autres garçons, est-ce qu'il y en a un vraiment là où vous êtes à fond dans le bateau, dans le wagon, vous conduisez à deux mains et pour vous, c'est sûr et certain, vous allez le suivre jusqu'au bout. On me met évidemment pas mal de Zachary Izaché, beaucoup beaucoup de coups de cœur sur Zachary Izaché, hein, Zach Fort, évidemment du Alexandre Sarr, vraiment, Sarr ça gagne, Salin dans un bon contexte, ouais. On va suivre évidemment Monsieur Tidjane Salin. On me parle évidemment de Ajay Mitchell pour nos amis belges. Rizaché le plus sûr, Salin le plus intrigant, tout à fait. Sarr à Portland, We Move, j'aime bien. Et oui, en effet, la France doit savoir, je peux continuer à faire de la mention là-dessus, l'équipe de France hein, joue demain contre la Croatie, enfin en tout cas ce vendredi soir, contre la Croatie, il y a du match et il y a du Zachary Izaché. Et je crois qu'il y a du Nadir Ifi, il y a même du Isaiah Cordinier, il y a du Vincent Poirier, il y a du Jalen Horde, j'ai vu pas mal de joueurs évidemment tourner en ce moment, donc n'hésitez pas, je crois qu'en effet ce vendredi soir, il y a un petit France-Croatie à surveiller de près.
la France est remplie d'incroyables talents et il faut qu'on continue à développer tout ça parce qu'il faut qu'on réduise encore l'écart avec les ricains. Allez là, vous imaginez là, dans quelques années là, le front de courte. Franchement, on peut peut-être avoir un jour un front de courte, mais de zinzin. Zachary Isaché, Tijan Salin, Wemby. C'est méchant, franchement. Et malheureusement, non pas de Joel Embiid, mais quelque part, on ira lui taper sur le crâne. À ce bon Joel. Oh, fallait rejoindre la nation tricolore bleu-blanc-rouge, mais dans le bon sens. Allez, on va devoir enchaîner juste pour finir cette petite émission, 2-3 choses. Bien évidemment, c'est la reprise de la TTFL aujourd'hui, donc on fonce. Qui vous avez mis en TTFL, mesdames et messieurs? Perso, je crois partir sur un petit Anthony Davis. Est-ce que je me tape une bulle? Non, Anthony Davis, ça joue, hein. Je crois que LeBron ne joue pas, hein, face aux Warriors ce soir, mais je crois que certains vont aussi jouer du Luka, on me dit dans le chat, magnifique, Luka qui va repartir de plus belle face aux Suns. Luka face aux Suns, vous connaissez les classiques. On parle aussi de The Iron Fox, magnifique, The Iron qui va devoir se reprendre face à San Antonio. Voilà, TTFL, ça reprend, là on rentre dans le dernier virage, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce formidable jeu qu'est la Trash Talk Fantasy League. Et pour finir forcément cette émission, vous le voyez ici à les sponsors. Donc si vous êtes, on est sur de la hashtag collaboration commerciale, si vous êtes des mineurs, merci de ne pas du tout checker ça. Si vous êtes majeur, je rappelle qu'il ne faut pas faire les bolos, c'est très simple, hein, les paris sportifs, vous pouvez tout à fait en faire, mais si vous pouvez éviter de faire n'importe quoi, ça nous arrangerait pas mal, ça éviterait 2-3 broutilles, hein, voilà. Donc du coup, moi c'est très très simple, sur les matchs de ce soir, là je vais juste faire un tout petit peu de prono avec celles et ceux qui restent, si vous êtes là encore, balancez juste sur votre clavier, tout simplement vous, selon vous, quel va être le vainqueur de chaque rencontre. Puisqu'on va démarrer avec un petit Toronto-Brooklyn. Hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Toronto-Brooklyn. On sera du côté de Toronto. Toronto-Brooklyn, ça me dit quoi? Est-ce que les Nets vont faire le travail? C'est vrai que Toronto tanque très méchamment. Il y a un petit truc peut-être à poser sur les Nets. Allez. Peut-être que sur les Nets, il y a un petit truc à faire dans tous les cas. Vous le voyez ici, les cotes, elles sont présentes chez les amis de Paris en Sport. Les Nets sont annoncés favoris, 1,93, il n'y a pas grand-chose. Attention, les Nets de Kevin Ollie. Eh ouais, allez, tout le monde Ollie. Philadelphie qui joue face à nos amis les Knicks. Comment ça va se passer? Est-ce que les Sixers vont faire le travail contre New York? C'est très serré cette affaire. Sixers ou Knicks? Sixers ou Knicks? Sixers ou Knicks? Je vois que les Knicks sont dans la vibe et dans la place au niveau du chat, bien évidemment. Allez, on va partir, tu sais quoi? On va partir sur une victoire des Knicks. Également. Je suis d'accord. Les Pacers face aux Pistons. Les Pacers face aux Pistons, c'est juste ici. Bon. Est-ce que j'ai besoin vraiment de faire... Ouais, voilà. Pacers next. On va pouvoir passer à du basket. Est-ce que vous voyez ce banger? Thunder Clippers. OKC annoncé favori face à des Clippers qui ont envie d'en découdre et de montrer comment ça se passe également avec les darons de la conférence Ouest. OKC ou les Clippers? Thunder ou Los Angeles? À vous de voir. Je crois que sur le combi rédac de Monsieur Nico Michel, on était parti sur une victoire des Clippers, si je dis pas de conneries. Et je vais partir sur une victoire du Thunder. Allez hop! Allez hop! Les Pélicans face aux Rockets, qu'est-ce qu'on dit? Évidemment, les Pélicans, ils sont larges favoris. Je pense que je vais mettre aussi New Orleans pour faire un petit peu d'ailleurs de prono perso. Je pense que Brooklyn va faire le travail, que les Knicks vont faire le boulot, que Indiana va faire le travail, que le Thunder va battre les Clippers, que les Pélicans vont battre les Rockets, ça, il n'y a pas de souci. Chicago contre Boston, pareil, hein, j'ai pas trop envie de troller, je vais mettre Boston. Très hâte de voir le replay quand les Bulls auront tabassé les Celtics. Utah contre Charlotte. Utah contre Charlotte, c'est ça? Il y a des absences côté Charlotte? Parce que ça joue bien les Hornets, non? Ou c'est moi? Bon, allez, Utah. Utah, mais... Tiens, bizarrement, Charlotte, j'aime bien... Enfin, j'aime bien aimer comment ils ont joué récemment, mais allez, on va mettre Utah. Denver contre Washington, merci pour ce troll, on va mettre Denver. Ils sont à 1-0-6, donc lol, en termes de favoris, on est très, très, très haut. Sacramento contre San Antonio. Il y a certes quelques petites absences de part et d'autre, mais... On devrait avoir une victoire honnête de nos amis les Kings. Certains vont mettre les Spurs. Allez, moi je vais mettre les Kings. En attendant évidemment la reprise de nos amis de San Antonio. Golden State face aux Lakers. Je rappelle que LeBron n'est pas là. LeBron est absent.
et Golden State est en très très grande forme. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais je pense que pour le coup, on va partir, si je ne dis pas de bêtises, de mon côté, sur victoire des Nets, victoire des Knicks, victoire des Pacers, victoire du Thunder, victoire des Pelicans, victoire des Celtics, victoire du Jazz, victoire de Denver, victoire des Kings et victoire des Warriors. Allez, Golden State va faire le travail. Pour finir dans la joie et dans la bonne humeur, comme ça après on pourra terminer officiellement cette émission, eh bien je vous ai gardé juste deux petits bonus pour celles et ceux qui ne font hashtag pas les bolos, mais qui veulent se régaler. Quoi, comment ça se passe? KD à 20 points, 5 rebonds et 5 passes, c'est à 2-20. The fuck? Face à Dallas, je pense que c'est tout à fait obtensible, obtenable, obtentuble de la part de KD. Et du côté de Golden State contre les Lakers, vu que LeBron n'est pas là et qu'Anthony Davis joue, je vais combiner la TTFL avec mes petits plaisirs. Anthony Davis a minimum 31 points, c'est 2-25. Voilà. Si vous voulez juste des petits conseils, et si ça se trouve, ce sera nul. Et je verrai évidemment dans le replay si j'aurais eu bon, tant que vous n'aurez pas fait les bolos. Mesdames et messieurs, je vais augmenter le son de la musique. Pourquoi? Parce que je vais prendre une dernière lampée et que je vais vous laisser. Alors, le programme est très simple. Si vous regardez les matchs, on va se retrouver sur Twitter. Moi, je vais les regarder un petit peu de loin parce que j'ai du boulot sur d'autres choses. Si vous avez kiffé cette petite émission, merci à vous toutes et tous. Merci aux copains qui ont envoyé des subs. Merci à Léonce à la prod. Si vous étiez en direct, vous êtes les meilleurs. Si vous étiez en replay, vous êtes très très forts aussi. Je vous souhaite des très très bons moments ce vendredi. Un excellent week-end. Une très bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Et surtout, une excellente draft 2024 à venir avec beaucoup de joueurs de talent. La France a d'incroyables talents. On regorge de forts potentiels. On va tout écraser. La vie, c'est la domination en bleu, blanc, rouge. Mesdames et messieurs, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. À très vite dans Allez Café. Des bisous. Ciao.